Retour sur le parquet de Kaisersheim avec un héros malheureux puisque le Haut-Rhin s'est incliné d'un point. Kevin Walter, même si ça compte pour du beurre quelque part, on n'aime jamais perdre quand même. Ouais, c'est dommage, c'est sûr qu'à la fin on n'était pas loin, on a failli faire le hold-up parce qu'on était souvent mené de 15 points, on revient et puis ils reprennent 15 points et puis on est passé devant à 2 minutes de la fin et bon, ça n'a pas suffi. Et puis un peu à l'expérience, ils ont gagné le match à la fin quoi. On voit que quand c'est serré, le naturel des joueurs reprend le dessus, on reste des compétiteurs même quand c'est entre guillemets, quand même quand il n'y a pas d'enjeu. Ouais, c'est sûr, quand il reste 5 minutes et que le score s'est serré, on veut gagner le match et le spectacle, on n'y pense plus quoi. Et voilà quoi. Vous portez habituellement le maillot de Mulhouse qui a fait une saison en National 3 assez époustouflante. Il y avait la montée de pré-national l'an dernier. Vous avez fait une saison de N3 parfaite, 22 matchs, 22 victoires. Ça, c'est rarissime, j'imagine, dans la carrière d'un joueur. Ouais, bah, on pensait avoir une bonne équipe au départ, mais de là à monter et en plus d'être invaincu, il y a un monde quoi. Mais bon, l'équipe a été soudée tout le long de l'année. Il y avait une super ambiance et au niveau collectif, c'était génial. Donc, c'est ça qui a fait la différence par rapport aux autres équipes. Bah, on suivra évidemment sur la suite des aventures de la renaissance du basket mulhousien, puisqu'il y a eu deux montées maintenant en 2 ans.